BBB on the track. Bon ango, quoi nous e, y'a nous e, révolution. Sur l'initiative de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURSI, qui a pour objectif principal la promotion des réalités touristiques des localités de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin de la repositionner sur l'échiquier des destinations touristiques mondiales et sa filiale locale, l'Association régionale de l'industrie touristique du Haut-Sassandra, ARITAS, s'est tenue à Daloa les 15 et 16 février 2013, la première édition de Les Merveilles de Côte d'Ivoire. Daloa, situé à environ 400 km de la capitale économique Abidjan, elle s'étend sur une superficie de 23 600 km². La délégation de la FENITOURSI, composée d'hôteliers, de restaurateurs, de tenanciers de maquis, loueurs de véhicules et de personnalités du ministère du Tourisme, à savoir M. Cody, inspecteur, M. Beugré, sous-directeur de la coopération et M. Assielou Assielou de Côte d'Ivoire Tourisme et un couple de visiteurs venus de Londres. Cette première édition s'est tenue en deux journées. La journée du vendredi 15 février, un dîner a été offert aux membres de la délégation où le président en a profité pour solliciter le parrainage du gouverneur Brooke Kwame à la résidence BI. Au cours du dîner, l'on a eu droit aux allocutions de M. le représentant de M. le maire, M. le président de l'ARITAS, M. Kokora Jean-Paul, M. le président national de la FENITOURSI, M. Diomandé Mamadou, le représentant de Mme le directeur régional du tourisme, M. Traoré Soumaïla, M. le préfet de Daloa. Dans leurs allocutions, les différents intervenants ont exprimé leur joie de voir Daloa accueillir la première édition de Les Merveilles de Côte d'Ivoire, non sans avoir présenté toute spécificité touristique, économique et culturelle de la ville. Monsieur le préfet a vivement souhaité que cette manifestation contribue à faire venir des investisseurs à Daloa et aider à la réhabilitation de l'hôtel Les Ambassadeurs, qui était jadis un symbole de la ville. Il a aussi affirmer son soutien et sa disponibilité aux côtés de l'ARITAS. La journée du samedi 16 février. Cette journée a été consacrée à la visite des attraits touristiques de Daloa. Ainsi, le convoi s'est rendu à Gbeti Tapea pour voir les singes sacrés qui cohabitent avec la population de ce village. Situé à 11 km sur l'axe Daloa-Issia, les singes sacrés vivent dans une forêt primaire au bord du village de Gbeti Tapea. Ils incarnent les ancêtres et vivent en parfaite harmonie avec la population. La délégation a été accueilli par le chef de village de Gbeti Tapea, M. Ogie Nyonka Théodore, qui a ensuite conté l'histoire des singes aux visiteurs. Les échanges qui ont suivi ont permis au chef du village d'émettre des doléances. Ce sont entre autres la clôture du site, une forêt de 7 hectares, la construction de latrines et d'un espace de rafraîchissement et la réhabilitation de la maison du patriarche Rabé Boguier pour en faire un musée.
Le deuxième site visité a été la grotte mariale de Wandagué. Cette grotte est bâtie sur une falaise rocheuse dont la montée est aussi périlleuse qu'excitante. Quand vous parvenez au sommet de la falaise, vous apercevez la grotte mariale et vous avez une vue panoramique de la ville. Les membres de la délégation ont été heureux de découvrir cette autre merveille. La visite s'est ensuite poursuivie au centre artisanal de Daloa. Malgré la vétusté des installations de ce centre, les visiteurs ont pu apprécier les belles œuvres d'art de la cordonnerie, maroquinerie, la sculpture sur bois, la bijouterie et de la peinture. Après le centre artisanal, le convoi a mis le cap sur Kibwo. En compagnie du sous-préfet de Daloa, M. Wasulu Nyepa, la délégation s'est installée au bord du lac Zizebo. Suite à la libation et les échanges de nouvelles, la délégation a visité, sous la conduite du colonel Lourougnon, une plantation de café et de cacao. Le déjeuner qui a été servi a permis de visiter la gastronomie du peuple bété avec les mets typiques tels que le gloglo saka, le soukwe, le yololoko et tout cela arrosé par un bon vin de palme communément appelé bandi. Après le déjeuner, on a eu droit à une course de pirogue sur le joli plan d'eau du lac Zizebo. Ce déjeuner a été agrémenté par le tohu, le masque glais et la fanfare qui a accompagné la délégation durant toute l'excursion. On pourrait dire que c'est l'État qui devait organiser ses activités touristiques. Voici que des privés s'y mettent pour nous montrer la voie. Alors je suis content que le ministère du Tourisme soit représenté. Et je souhaiterais que le ministère prenne le pas et montre au sein au devant de la nation, qu'il est attaché à l'activité qu'il mène depuis longtemps. Je pense que l'enseignement, c'est que nous sommes contents et nous souhaiterons que le ministère organise des activités de ce genre que nous ne découvrons pas. Mais il faut que les autres les découvrent et y participent effectivement, comme les jeunes gens l'ont fait tout de suite avec les courses à la pirogue. Si l'État y met un peu de moyens, pourquoi ne pas avoir une dizaine de pirogues? Et quand les gens vont y gagner quelque chose, vont s'intéresser à la pêche et à la course au lieu d'aller ailleurs. En somme, les merveilles de Côte d'Ivoire à Daloa fut une belle initiative vécue et appréciée par tous les participants ainsi que les populations des sites visités. Elle a permis de mettre en lumière et de faire découvrir les réalités touristiques de la ville de Daloa. Pour les acteurs du tourisme à Daloa, cette initiative est porteuse d'espoir car elle est une véritable vitrine de promotion dont les retombées boosteront leurs activités et cela grâce à la large couverture médiatique dont a bénéficié la manifestation. Ainsi, on peut dire les merveilles de Côte d'Ivoire, j'adore. Ani ani boke ma lobeleza ayo, ani ani boke ma lobeleza ayo. Kanuwo 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 kanuwo. Kanu kwa sukutaka, parana na bot Clement. Kanu kwa sukutaka, titi bonuwo. Kanu kwa sukutaka.